عشر النية مع التكبير التكبير القيام في الصلاة المفروضة للقادر قراءة الفاتحة بمراعاة الحركات والشدات وإخراج الحروف من مخارجها الخامس الركوع بحيث تنال راحتاه ركبتيه السادس الطمأنينة في هذا الركوع بحيث يفصل الهوي عن الرفع السادس الاعتدال الثامن الطمأنينة في هذا الاعتدال التاسع السجود مرتين بوضع الجبهة على الأرض وشيء من الركبتين والراحتين وبطون أصابع الرجلين هذا الذي وصلنا إليه البارحة Alors hier on a parlé des piliers de la prière on a cité jusqu'aux 9 piliers Les piliers de la prière sont au nombre de 17 L'intention de rentrer dans la prière obligatoire de Dhuhr Je fais la prière obligatoire de l'Asr مثلاً Deuxième, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Il faut bien prononcer Allahu Akbar. Le Ra, le Ba, il ne faut pas la prolonger. Il ne faut pas dire Akbar. Troisièmement, être debout dans la prière obligatoire. Si tu arrives à être debout, sinon tu peux prier assis. Ou si tu ne peux pas être assis, tu peux être sur le côté, sinon sur le dos, sinon tu peux faire par les paupières. Mais celui qui est capable d'être debout, ce n'est pas valable de prier assis. Même s'il est dans l'avion, il faut être debout. Et il faire le recours, l'inclinaison, le sujoud complet. Le quatrième, c'est la lecture de l'Fatiha avec la prononciation des lettres, avec 14 lettres doublées. Il y a 150 lettres dans la Fatiha, il faut les bien les observer, bien les prononcer, que ce soit le « dhal » lorsqu'on dit « allazina », ce n'est pas « allazina », ce n'est pas valable. « Al-mustaqim », c'est le « ta » et après le « qaf » et ce n'est pas « al-mustaqim », ce n'est pas le « ta », c'est le « ta ».« Al-dad ghayri al-maghdoubi alayhim wa la-dallin » Le « dad », c'est le fait de prendre la langue à droite ou à gauche, mais un peu en haut. Le sad, c'est parmi les lettres de sifflement. Bref, il faut savoir lire, il faut apprendre à lire le Fatiha. Cinquièmement, c'est l'inclinaison. D'une manière que tu arrives à mettre les paumes sur les genoux. Mais c'est sunna d'avoir le dos, le cou, la tête tout droit et les jambes avec les tibias, avec les cuisses tout droit. Le sixième, c'est le fait de séparer la descente de redressement par une séparation, même si la durée de subhanallah. Séparer entre la descente et le fait de se lever. Sept, c'est le redressement, c'est le fait de se redresser pour al-i'tidal, se redresser. C'est sunna de dire « Sami' Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd ». Mais le redressement, c'est un pilier. Et lorsqu'on fait le redressement, il faut encore rester immobile à la durée de subhanallah pour séparer avant la descente. Et ça, c'est le 8. Alors le 9e, c'est la prosternation en mettant le front, les mains, l'intérieur des mains, une partie des mains de l'intérieur, une partie des genoux, des orteils par terre. Parce qu'on se prosterne sur sept membres. Le front et le nez, c'est inclus avec, c'est sunna de le mettre, les mains, les genoux et les orteils. Hala, fi hadha as-sujud, yustahabu an yaqul subhan rabbi al-a'la thalathan. Subhan rabbi al-a'la, c'est recommandé de dire Subhan Rabbi al-A'la trois fois, mais s'il prie tout seul ou il y a des gens derrière lui limités, ils ont dit tu peux prolonger parce qu'on n'a rien, c'est mieux d'aller à 11.
Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi. Et le Maliki a incité de dire Subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li. Subhanaka zalamtu nafsi, j'étais injuste envers lui-même et j'ai agi mal, faghfir li. Mais on dit ça en arabe, Subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li. Ça, c'est quelque chose qui est recommandé de le dire dans la prosternation. Alors, c'est le neuvième pilier. Et la quiétude dans le sujoud, le fait de rester immobile dans le sujoud, la quiétude, le fait de rester à la durée de subhanallah pour séparer la descente du le fait de se lever pour s'asseoir. At-tuma'nina fi hadha as-sujud hiya ar-rukn al-ashir. At-tuma'nina fi hadha as-sujud hiya ar-rukn al-ashir. بحيث يفصل ما بين الهوي إلى السجود والرفع منه فاصل أدنى فاصل اللي هو مقدار سبحان الله. الحادي عشر الجلوس بين السجدتين. الحادي عشر الجلوس بين السجدتين. Le fait de s'asseoir entre les deux sajdas, entre les deux prosternations, ça c'est le onzième pilier. Il faut s'asseoir entre les deux prosternations. Tu fais la première et tu t'assois. Comment tu t'assois? Tu mets le pied gauche et tu t'assois sur le pied gauche et le pied droit de cette manière. Ça s'appelle l'iftirash. Tu t'assois sur le pied gauche et le pied droit elle est de cette manière là. Tu appuies sur les orteils. Peut-être certains ils disent mais l'imam ne fait pas ça, c'est-à-dire moi je fais pas ça parce que moi j'ai un problème pour le pied gauche, alors je m'appuie autrement parce que j'ai fait une opération et j'arrive pas à tenir longtemps, ça fait mal. Mais sinon, c'est pour cela, des fois, faut pas dire il a fait ça parce qu'il faut regarder, est-ce qu'il a une excuse? Peut-être quelqu'un, il n'a pas mis la main droite sur la main gauche. Il faut dire, peut-être il a une excuse, il a mal quelque part. بعض الأحيان الإنسان الإمام قد يترك شيئا أنت تقول ما بيعرف هذه السنة تركها قل لعل له عذر ما فعل هذا لعذر عنده. إذن الجلوس بين السجدتين والثاني عشر هو الطمأنينة في هذا الجلوس بين السجدتين le fait de rester dans la fête, le fait de s'asseoir à la durée de subhanallah, c'est ce qu'on dit la quiétude at-tumanina. Hala yusannu an yaqul rabbi ighfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rabbi ighfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ça c'est une parole rapportée du prophète alayhi salatu wasalam. Il y a encore, ça a été rapporté dans d'autres termes, mais ça c'est parmi les choses qui ont été citées dans le hadith que le prophète disait Rabbi ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni lorsqu'on s'assoit entre les deux prosternations. Le 13, le pilier, le 13e pilier, الجلوس للتشهد الأخير. Parce que l'arcane اللي ذكرناها إلى السجود والطمأنينة مع الجلوس والطمأنينة تتكرر في كل ركعة. Alors le 13e pilier c'est le fait de s'asseoir dans le dernier tashahud. On s'assoit vers la fin avant de dire assalamu alaikum, on s'assoit. Parce que ce que je viens de citer, hein, la fatiha, être debout, l'inclinaison, Tumanina, la quiétude, l'i'tidal, redressement, Tumanina, la prosternation deux fois, Tumanina, le fait de s'asseoir, la quiétude, Tumanina, ça des choses qu'on les fait chaque rakat, chaque cycle, on fait ça. Alors, on passe maintenant vers le dernier tashahud. Pourquoi on a dit le dernier? Parce qu'il y a deux tashahud. Il y a le premier, il y a le deuxième. Le premier est sunnah et le dernier est un pilier. Idhan, le tashahud l'awwal. في الركعة الثانية سنة
والتشهد الثاني ركن من الأركان. Le premier تشهد est sunna, le deuxième est un pilier. Alors, نحن on est en train de dire, le fait de s'asseoir pour faire tashahud, c'est le 13e. Le fait de s'asseoir pour réciter tashahud. Alors le 14e, c'est le fait de faire tashahud. Al-rabi'ashar, wa-tashahud. Ma wa-tashahud? Al-tahiyyatu, al-mubarakatu, al-salawatu, al-tayyibatu lillah. C'est le terme que l'imam Shafi a choisi. Sinon, le Malikiya, ils disent tahiyyatu lillah, al-zakiyat, wa-tayyibatu, wa-salawat. Assalamu alayka, ayyuhan nabi, wa rahmatullahi, wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هلا. Il y a encore d'autres termes dans le tashahud. Il y a encore, ça a été cité du prophète عليه الصلاة والسلام, d'autres termes dans le tashahud. Mais Shafi'i a choisi ce que je viens de dire: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. هلا. الأقل منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. C'est le minimum dans le tashahud, c'est le minimum. التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. C'est le minimum. Alors الإمام مالك يقول الأول التشهد الأول والتشهد الثاني سنة. الإمام مالك يقول le premier التشهد et le deuxième, les deux sont سنة تشهد. Mais le fait de s'asseoir pour dire السلام عليكم, c'est un pilier. Mais le fait de réciter التشهد, le premier et le deuxième, تشهد et سنة, le fait de s'asseoir pour dire السلام عليكم, c'est un pilier. إذن الجلوس الثاني بحيث يقع فيه السلام عند المالكية هذا ركن. أما التشهد نفسه هذا في الأول والثاني كله سنة عند المالكية في القول المشهور. نحن بعض الأحيان نذكر الخلاف لأنكم قد يكون بعضكم أحناف أو مالكية أو شافعية, واختلاف أئمتنا رحمة, منه خلاف بيصير في بعدين ضرب بوكس, ما بيصير في مشاكل. La divergence de nos imams c'est une clémence, c'est pas une divergence qui fait qu'il y a le boxing, king boxing, parce que tu es shafi'i, je suis hanafi, comment tu fais ça, moi je fais pas ça. Attention, il faut pas, c'est des grands imams de cette communauté, on les aime tous. Mais voilà, en Turquie, en Inde, en Pakistan, souvent on suit l'imam Abu Hanifa, c'est un grand imam. Et en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, en Tunis, en Afrique, on suit l'imam Malik, imam ul-Aimma. Et en Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Philippines, Sri Lanka, Kenya, Somalie, Yémen, une partie de Liban, une partie de l'Égypte. Et encore d'autres places, ils suivent le grand imam, l'imam Shafi'i. Et nous, souvent, on enseigne selon l'école de l'imam Shafi'i, et le livre là, il est selon l'imam Shafi'i. Et then, at-tashahud, le dernier, le fait de s'asseoir pour réciter, c'est le 13. 14, c'est le fait de dire at-tahiyyatu lillah, c'est le 14, le tashahud, jusqu'à ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Le 15, c'est le fait de faire salat ala nabi. Al-rukn al-khamis ashar, al-salat ala nabi. Allahumma salli ala muhammad. Aqalluhu. Allahumma salli ala muhammad. Le minimum. Alla atammuhu, akmaluhu, la perfection. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Innaka hamidun majid. Wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad. Kama barakta ala ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو. هلأ ورد أن النبي كان يستعيذ من عذاب القبر ومن عذاب النار, ويستعيذ من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Ça a été rapporté que le prophète عليه الصلاة والسلام avant de faire salam, il demandait à Allah تعالى la protection contre le châtiment de Jahannam, le châtiment de la tombe et la séduction et la fitna du de ce bas monde et au moment de la mort, et il demande encore la protection contre la fitna du faux messie. Et c'est pour enseigner sa communauté et de dire encore Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ. Encore, ça a été rapporté qu'on le dit avant de dire Assalamu alaikum, avant de faire. Mais ça, ce n'est pas des piliers, c'est des choses qui ont été rapportées, que c'est des choses recommandées. Et donc, le 15e, c'est le fait de faire Assalat ala Nabi. Alors, le 16e, c'est quoi? Le fait de dire Assalamu alaikum. Ah, alors le fait de dire Assalamu alaikum, et on a dit, on prononce le A. Il y a à la base Al, mais puisque c'est la lettre Sin, c'est des lettres solaires, alors tu dis pas Assalamu alaikum, non, tu dis Assalamu alaikum. Tu vois, il y a certaines lettres, on dit lunaire. Al-Qamar, tu vois, Ash-Shams, Ash-Shams, le soleil. Al-Qamar. حروف شمسية حروف قمرية. Là on prononce le lam, là on prononce pas le lam, puisque c'est comme ça dans les règles de la lecture de la langue arabe. السلام عليكم ورد ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et le visage, tu commences en ayant le visage vers le qibla et après tu tournes à droite. Après tu arrêtes un peu à la durée de Subhanallah et tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullah, la deuxième, pour la deuxième, et tu tournes à gauche. Et la deuxième est sunnah. La deuxième est sunnah. Assalam thani sunnah, laysa ruknan. يعني لو انتقض وضوءه لا يقول السلام الثاني. Si quelqu'un, son wudu est annulé, il ne va pas dire le deuxième salam. La prière est terminée par le fait que tu as déjà dit le premier salam et le wudu est annulé. Voilà, la prière est valable. Mais si le wudu est annulé avant de dire assalamu alaikum, il faut refaire la prière. Il faut recommencer la prière si le wudu est annulé avant de dire assalamu alaikum. Yabqa, qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste un pilier. C'est quoi ce pilier qui reste? L'ordre. Al-Tartib. Yabqa. Al-Rukn al-Sadis Achar al-Salam. Al-Rukn al-Saba Achar al-Tartib. L'ordre. Bihayf. On fait la Fatiha en étant debout. Nukra al-Fatiha Qiyam. Thumma na'ti bil-Ruku'a. Thumma l'Ihtidal. Thumma al-Sujud. Alors on fait la Fatiha en étant debout. Après on s'incline. Après on se redresse. Après on fait les deux sajda. Et voilà. طيب من نسي فنزل الى السجود بدل الركوع نسي نزل الى السجود بنيه السجود نزل ماذا يفعل يرجع الى الركوع ام يرجع قائما ثم يركع خلينا نشرح alors si une personne il est en train de prier il a lu le Fatiha il a lu une sourate et au lieu de descendre à l'inclinaison, il est descendu comment? Il est descendu au sujoud. Il est descendu pour la prosternation. Il a oublié, tout de suite, il est descendu pour faire sujoud. Peut-être il s'est rappelé avant, peut-être il s'est rappelé dans le sujoud, mais il s'est rappelé. Il faut qu'il corrige. Il faut qu'il corrige tout de suite. Alors il se lève. Moi j'ai posé la question, il se lève comme ça? Ou il se lève debout? Et il se lève debout. Pourquoi il se lève debout? Parce que lorsque lui, il est descendu dans l'intention de la prosternation, de sujoud. Il y a l'intention n'était pas pour Rukur. Et il ne fallait pas descendre dans une autre intention. Il est descendu pour faire sujoud. Alors, ça, il faut rectifier. Alors, il faut aller debout. Et il s'incline. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que des fois je remarque que moi je descends au Rukou, il y a quelqu'un, voilà, il s'est trompé, il est descendu au Sujoud, après il fait comme ça. Non, il fallait revenir debout et il s'incline. Maintenant une deuxième question. Si la personne, elle était en train de lire le Fatiha. Et puis il s'est rappelé qu'il a fait une seule sajda. Il s'est rappelé qu'il a fait une seule sajda, une seule prosternation. Et maintenant, il est dans la lecture de l'Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Immédiatement, il descend et il ne complète rien. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a raté
Je ne peux pas continuer la Fatiha, il y a quelque chose qui manque. J'arrête immédiatement et je descends et je fais quoi? Je m'assois. Pourquoi je dois s'asseoir? Parce que il y a la prosternation et il y a le fait de s'asseoir. Et la personne, lorsqu'il a fait sajda, il a été directement là-haut. Alors il a délaissé le fait de s'asseoir et il a délaissé le sujoud. Alors il descend, il s'assoit et il fait la sajda, il fait la prosternation et il se lève et il recommence, il relit de nouveau la Fatiha, il revient au début parce que ce qu'il a lu avant n'est pas compté. Et un autre exemple, quelqu'un qui est en train de lire le Fatiha, il s'est rappelé que dans la première rak'at, il n'a pas fait l'inclinaison, il n'a pas fait le ruku', il est descendu tout de suite au sujoud. La même chose, il doit immédiatement descendre pour faire l'inclinaison, il fait le ruku', parce que lui, il a oublié le ruku', l'inclinaison, et il s'est rappelé, alors il quitte la Fatiha, et il descend, il fait l'inclinaison, ruku', il fait, puis après il fait le redressement, après il fait les deux sajda. Les deux sajda qu'il les a fait avant n'est pas compté. Ils ont été faits après l'oubli, ne sont pas comptés. Alors il descend, il fait la première sajda, après il s'assoit, après il fait la deuxième sajda, et après il monte de nouveau et il relit la Fatiha. Bien sûr, ces questions, il s'agit là pour celui qui prie tout seul. Parce que celui qui prie derrière l'imam et il a oublié quelque chose, il va suivre l'imam. S'il a raté un ruku', s'il a raté un sujoud par oubli, il était fermé les yeux, il a oublié. Une fois que l'imam il dit « Assalamu alaikum », lui il se lève et il fait une rak'at. Parce qu'il est lié avec l'imam. Il a oublié un pilier. Je ne parle pas qu'il a oublié sunnah. Il a oublié un pilier. Nasiya ruknan. Wa huwa muqtadim bil imam. Nasiya ruknan. Faizan huwa al-an yastamir ma'a al-imam yukmil. Faizha sallama al-imam. Faizha sallama al-imam. Qama wa ata bi rak'atin. Liannahu ma bayna al-matruk ila mithlihi la yuhsab. Fabitkun fatathu rak'a. S'il a oublié le ruku', l'inclinaison, il l'a oublié. Okay. Et puis, après, il s'est rappelé dans la troisième rak'at ou dans la quatrième, où il était derrière l'imam. Il y a une rak'at complète à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inclinaison, il n'a pas fait. Le redressement, il n'a pas fait. Deux sajda, il faut le refaire. Et la fatiha, il faut la refaire parce que la fatiha a été faite après l'oubli, parce que du pilier oublié jusqu'au pilier pareil n'est pas compté. Du pilier oublié jusqu'au pilier pareil n'est pas compté. Ouais. Supposons, il a oublié l'inclinaison dans la première rak'at, il n'a pas fait ruku'. Ma'amira ruku'. Et maintenant, il est descendu pour faire ruku'. Pendant qu'il fait ruku', il s'est rappelé. Il continue normal, il y a une rak'at à faire. Il y a ruku', il y a l'atidal, il y a deux sajda, il y a fatiha. Tu vois? Il s'est rappelé pendant ruku' qu'il a oublié l'inclinaison dans la première, alors il complète normal et il sait qu'il y a une rak'at complète à faire. Ça arrive des fois que on pense que l'imam il a dit Allahu Akbar, parce que des fois il y a des gens qui prient derrière, ils font à voix haute, ils disent Allahu Akbar. Et celui qui est derrière, il se trompe. Après, ils se rendent compte que non, l'imam il est dans le sujoud, c'est pas l'imam qui a dit Allahu Akbar, c'est quelqu'un d'autre. Alors, il peut rester, mais c'est mieux qu'il revient au sujoud. Il peut rester, attendre l'imam, parce que lui il a pensé que l'imam il s'est levé. Alors il a vu que l'imam il est toujours dans la prosternation. Il peut rester, mais c'est mieux de revenir. Ahsan yirja wa law baqiya ma batalat salatuhu ma batalat salatuhu, lakin ahsan an yirja ila al imam. Aydan yahsul
بعض الأحيان أنه يظن المأموم أن الإمام قال السلام عليكم. Des fois on pense que l'imam a dit السلام عليكم. On a cru qu'il a dit السلام عليكم. Alors nous on a dit السلام عليكم ورحمة الله. Après on regarde que l'imam n'a pas dit السلام عليكم et les gens ils sont là. Tu restes à ta place. Ta prière est toujours valable. Tu restes à ta place. Tu suis toujours l'imam. Lorsqu'il dit السلام عليكم, tu dis après lui. يعني من سلم خطأً لظنه أن الإمام سلم فهو قال السلام عليكم ثم انتبه أنه لا الإمام ما قال السلام عليكم يبقى مكانه ثم يسلم بعد إمامه. بقي مسألة وهي أنه أنا قلت السلام عليكم أنهيت j'ai dit السلام عليكم j'ai terminé et je me suis rappelé que j'ai oublié une rak'at, j'ai oublié une sajda, un ruku'. Si le temps est court, tout de suite je me lève et je complète. Si c'est une longue durée, je refais la prière. Et si un sallam, après, عرف انه نقص ركعه, نقص ركوع, نقص سجود. ان كان الوقت قصير, اتم دغري فورا يرجع ويكمل. لا تبطل صلاته ويكمل. واما ان طال الفصل فيعيد الصلاه والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.